Bienvenue sur Studio Bubble Tea, notre premier roman dont tu es le héros est sorti et s'appelle... La quête des pierres de Nautilea. Et il est en vente... partout. Et également sur... internet. Pour plus de détails, allez en... description. Bonne vidéo à tous. Allez, Bubble Fun. Hello Athena, comment ça va aujourd'hui? Ça va. Ah là, t'es trop contente parce qu'on va faire une nouvelle vidéo LOL avec... C'est quoi cette boîte? C'est la boîte LOL. Oh my god, OMG. Winter Disco, donc en fait c'est une grande poupée. Mais il n'y a pas qu'une grande poupée, j'ai l'impression. Regardez ce qu'il y a sur le devant. Alors ça c'est derrière. Et sur le devant, on dirait qu'il y a des petites boules de polystyrène avec une petite poupée à l'intérieur aussi. Et, pour... et y a pourquoi il y a trois hublots? Il y a quoi? Donc dans la plus grosse fenêtre, il y a la petite poupée, c'est ça? Oui, et dans les deux autres, il y a des petits... il y a des petites phrases. D'accord. En anglais, bien sûr. Ok, bon bah on va ouvrir ça. Tu veux que je t'aide? Parce qu'à mon avis, il faut des coups de cutter. Attention, maintenant, ça y est, j'ai enlevé plusieurs morceaux de scotch. Est-ce que ça va suffire? Oui, bah, pour l'instant, ça va. Waouh! Alors, la première partie, avant d'ouvrir la grosse poupée, oh my god, il y a quoi? Parce que moi, je vois rien du tout là. Oh, regardez. Ah, attends, comme c'est trop joli en fait. Et là, il y a des petites boules de polystyrène ici. Là, quand on ouvre les accessoires et la poupée. Waouh! Et les accessoires de la grande sœur. Ouais. On essaye de les détacher. Si t'as du mal, tu me dis. Regardez là. Poupée. Hop, comme à l'envers. Avec les petites boules de polystyrène ici, d'accord. Très bien. Unbox me. S'il te plaît. Alors. Ah, j'ai l'impression que Athéna. Coup de cutter. J'en profite pour la montrer. Mais papa, tu peux aussi enlever le biberon. D'accord. Libérer son biberon, délivrer. Voilà. Alors, le petit biberon, ça permet de mettre l'eau dans la poupée. Est-ce qu'elle fait pipi? Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle crache. Elle fait quoi cette petite poupée-là? Et voilà. Ouh. Alors, elle fait quoi cette petite poupée? Je sais pas encore. Tu sais pas encore? Oui. Okay. Et après, bien sûr, il y aura la grande poupée. Oh my god, attention. Alors, je regarde moi s'il y a du scotch enlevé de ce côté-là, par contre, je pense. Tac. Là. C'est son petit gilet. Et ça. Encore un autre papier cadeau, mais c'est Noël aussi pour les poupées LOL. Dites-nous si sur votre liste Noël vous avez mis des poupées ou autre chose de LOL surprise. En tout cas, vous avez compris, Athéna, elle adore ça. C'est vraiment son jouet préféré du moment. C'est tout ce qui est LOL. Elle aime LOL et elle aime la Reine des Neiges. Alors. La poupée maintenant. Ah, tu peux enlever la partie plastique comme ça, regarde. Ouf. Là, ça, ça se coulisse. Tu vois? Ouais. Oh, on a le dessin. Elle a des grands cheveux verts. Par contre, après, comment ça s'ouvre? Je ne sais pas. Tu me dis si tu as besoin de... coup de cutter, peut-être. Ah, peut-être découper au-dessus, je sais pas. Oh, ça tourne! Ah oui, attends, tu peux ouvrir le... sans enlever la boîte, en fait, tu ouvres le... la petite porte de la boîte. Par contre, faut peut-être un petit coup de cutter pour ouvrir le... non. Le ruban. Non, il y a un autre. Ah oui, c'est écrit. Il faut décoller le petit ruban. Alors. Attention, je crois que là, on y est. Elle a l'air contente. Non, non. Ah bah si, pour mon petit copain. Pas maintenant. Ah d'accord, c'est le suspense. Roulement de tambour. C'est pour ça que je vais refermer d'ailleurs.
elle va rester face à moi. Comme ça, si elle s'ouvre, elle va pas, faire. Oh, le gros chapeau. Et on reconnaît aussi son petit manteau violet, enfin qui est rose plutôt, que tu as ouvert, qui était dans le papier cadeau. Ne la mets pas au petit copain. Oh si ! Non, pas pour l'instant. Oh ! Tu peux lui enlever. D'accord. Sans la montrer. Sans la montrer. Au petit copain. Oh, comme elle est belle. C'est vrai qu'elle est magnifique, hein. Maintenant, tu la remets dans ta boîte après. Waouh! Et elle peut ranger des choses. Papa! Oui. Elle peut ranger des choses. Waouh! Et hop! Attention! Non! Je ne l'ai pas montré. Oui. La voici. Comment tu te caches? C'est le suspense jusqu'au bout. On aperçoit des trucs là, on aperçoit des trucs! Même la petite poignée de la boîte, elle est trop choupinette. Regardez. Toute douce. Alors, c'est un peu la couleur de la poupée. Et en plus, c'est tout doux quoi. C'est une petite poignée peluche. C'est trop chou. Et tu aimes autant les poupées Oh My God, c'est-à-dire les grandes poupées, que les petites poupées? Oui. Oui, on te voit même plus, t'es caché derrière la boîte. Non, mais. T'aimes les deux? Oui. Oui. Bon, allez, je te laisse faire ce que tu as envie, la préparer, l'habiller. Et on se retrouve quand Athéna voudra vous montrer cette magnifique poupée. Oh my God! Alors, Athéna, ça y est, tu es prête à montrer Cosmic Nova. Avant ça, parce que déjà, Cosmic Nova était toute nue en fait dans sa boîte, donc cette boîte, on n'avait pas même pas à la monter toute nue, ça se fait pas! Donc, Athéna a voulu l'habiller, c'est très bien, tu as raison, avec sa magnifique jupe, avec ses chaussures. Il y a sa ceinture aussi, il y a son collier et il y a bien sûr son magnifique petit manteau rose qu'on a vu tout à l'heure. Avant de la montrer, on peut dire que sa choupinette, là, la petite poupée, lol, eh bien, elle fait pipi ou elle crache, attends. Elle fait pissou. Elle fait pipi, exactement. Il y a aussi le chapeau, voilà, pour Cosmic Nova qui est ici, mais ça ne rentrait pas dans la boîte parce que là, elle va vous montrer en ouvrant la boîte. Attention, Antena, est-ce que tu es prête? 3, 2, 1. C'est parti, ouverture. Alors, je t'aide. Donc là, on voit le haut. Oh, avec ces grandes lunettes de soleil, on aperçoit le petit manteau, le collier. Tu veux ouvrir le reste? Ouh là 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 là! Comme elle est belle, regardez. Donc tu peux enlever le socle. Elle est sur son socle, là, tranquille. On peut la mettre debout, regardez. Je vais vous la mettre debout d'ailleurs. Je vais la mettre ici. Et regardez. C'est doré, maman. Elle est magnifique. Hop là, hop, ça, on met dedans. Elle est jolie, hein. Ah ouh. Alors bien sûr, tu peux l'enlever du socle, tu peux jouer avec, elle est articulée de partout, on peut lui mettre d'autres vêtements, comme tu as deux autres poupées Oh My God que tu avais eues avec. Hop là, avec la boîte, la grande boîte 70 surprises. Oh, regardez. Oh, un carton. Oh, c'est le plus beau carton que j'ai jamais vu. Bon, on s'en fiche. Alors, attends. On va d'abord réfléchir comme... Regardez. Regardez comment ça se présente. C'est fou, ça. Waouh. Yes. Et tu dégages. Oh là 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 là. C'est magnifique! C'est cool. Est-ce que ça te plaît, Athéna? Oui! Et j'espère que vous aussi vous avez aimé. Si oui, laissez un grand pouce bleu. Oui! Oui, Athéna! On partage, on commente, on s'en va pas encore. Bon, bah, Athéna, je te laisse faire la conclusion. Oui. Soyez-vous, soyez bien, soyez beau, et vivez vos rêves. Au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Athéna? Ah ben non, c'est la fin.